Aloha, merci de me retrouver dans cette nouvelle vidéo. Et oui, je me suis enfin décidée à tourner cette vidéo sur mon métier. Donc on va parler du métier d'agent d'escale aéroportuaire. Plus exactement, agent d'escale commercial aéroportuaire. Dans cette vidéo, je vais vous parler des diplômes et des prérequis, de l'environnement du travail et différentes tâches qu'on effectue lors de vacations, et je finirai par quelques anecdotes. Ce vol risque d'être un petit peu long, donc attachez bien vos ceintures. Prêt pour le décollage? C'est parti! Donc brièvement mon parcours, j'ai fait un bac littéraire option langue étrangère, puis j'ai fait un BTS tourisme, donc à l'époque, il y a longtemps, ça s'appelait vente et production touristique. Maintenant je crois que le BTS tourisme s'est regroupé avec l'option animation gestion tourisme local, donc je crois que ça a fusionné. Ma branche c'était essentiellement pour travailler en agence de voyage, émission des billets d'avion, conseiller en voyage, etc. J'ai été agent d'escale commerciale, puis j'ai également été superviseur de vol, puis responsable compagnie au sol à Roissy pour une compagnie aérienne dont le siège est à l'étranger. Mais aujourd'hui, on va se focaliser uniquement sur agent d'escale. Les diplômes, les prérequis. Il faut avoir minimum le bac pour exercer ce métier. Si vous avez un BTS tourisme, des études supérieures dans les langues étrangères, peut-être le commerce et la vente, vous pourrez accéder à ce métier. Il faut avoir 18 ans, c'est la base. Bien évidemment, il faut parler anglais. Alors, on ne vous demande pas forcément d'avoir un super accent, mais parler vraiment très bien anglais, communiquer avec les passagers du monde entier. C'est la langue universelle, on va dire. Vous pouvez parler anglais avec des Suédois, des Asiatiques, etc. Bien vous faire comprendre et comprendre le passager. Si vous parlez d'autres langues étrangères comme espagnol, arabe, portugais, c'est un gros plus. Je dirais que la chose la plus importante pour accéder à ce métier, c'est d'avoir un casier judiciaire vierge. Et oui, vous devez avoir le volet 3 de votre casier judiciaire vierge. C'est une obligation, vous devez présenter ce papier à l'embauche, que ce soit compagnie aérienne ou autre, parce que vous allez avoir un badge délivré par le préfet qui vous donnera accès à différentes zones dans l'aéroport un peu sensibles, par exemple aller sur piste, passer de la salle d'embarquement à la zone d'enregistrement et vice versa. Donc badge plus empreinte digitale. Si vous n'avez pas un casier judiciaire nickel, malheureusement ce métier ne sera pas fait pour vous. Bien évidemment, il faut aimer le contact humain, vous serez sans cesse avec des personnes, des passagers et vos collègues. Donc si vous êtes un petit peu agoraphobe, ça ne sera pas fait pour vous. Vous devez également avoir une bonne présentation, je dirais. Pas avoir les cheveux multicolores, d'avoir des tatouages visibles. Je vous en avais parlé dans la FAQ quand je vous parlais de mes tatouages. Moi j'en ai un ici, juste là, que je cache avec un sparadrap. Ou ça m'est arrivé aussi de le cacher avec le Vichy Dermablinde. Bon, ça fonctionnait pas des masses. Donc c'est vrai que vu que c'est un métier un petit peu avec du contact, etc., l'apparence joue beaucoup à l'embauche, on va dire. Donc c'est vrai que si vous avez une peau très acnéique, malheureusement, ça va être compliqué, ce qui est dommage. Mais je pense que c'est pas uniquement dans mon métier, c'est dans tout ce qui est vente, etc. Il faut aimer porter un uniforme tous les jours et porter des talons hauts, des escarpins. C'est vrai que l'attrait de l'uniforme peut faire rêver. Au début, j'étais super fière de mettre mon uniforme, mais au bout d'un moment, on se lasse un petit peu. Mettre des chaussures à talons de 8 à 10 cm tous les jours et crapahuter une dizaine de kilomètres par jour dans l'aérogare, ça fait mal aux pieds, ça fait mal au dos. Surtout, je suis une énorme grande gigue. On ne peut voir que moi, parce qu'avec les talons, je crois que je dois frôler les 1m82-83. Donc au moins, vous pouvez pas me louper. Être ponctuel, c'est très important. Pourquoi? Si vous demandez à des passagers de ne pas rater leur vol et être en temps et en heure à l'enregistrement et l'embarquement, vous devez vous-même être ponctuel. C'est la base. Je dis ça parce qu'on travaille en horaire décalé, mais alors très très décalé. Mais après, il y a d'autres métiers comme la police, l'armée, tout ce qui est médical travaille également en décalé, c'est-à-dire qu'on fait des nuits, on travaille les week-ends. Par exemple, je peux commencer à 2h du matin et finir à 9h du matin, commencer à 16h, finir à 1h. Après, ça m'arrive également de faire un 8h, 16h, 17h, normal. Ça, c'est rare. Enfin, il y a un roulement de
planning. Vous travaillez dimanche et jour férié. Si le planning est bien fait, vous arrivez à avoir toutes les 6 semaines à peu près un week-end, samedi dimanche, ou dimanche lundi, ou vendredi samedi. Mais c'est assez rare. Attendez-vous à travailler de façon décalée. Après, il y a des avantages, hein, aller faire ses courses en pleine semaine, par exemple, il y a moins de monde en caisse. Si vous avez des rendez-vous médicaux, banque, assurance, j'en sais rien, c'est plus facile de prendre les rendez-vous, on est d'accord. Il faut avoir le sens du service. On fournit un service à un passager. Le passager, il a payé un billet d'avion, il a payé un service, que ça soit au sol ou en vol. Faut bien traiter les passagers. Moi, j'ai une philosophie quand je travaille, c'est que je traite les passagers comme moi j'aimerais être traité, ou comme si c'était un membre de ma famille, quelqu'un que j'appréciais énormément, et je fais un maximum pour les passagers. Même si le passager n'est pas très content, me crie dessus, et ça arrive régulièrement, il faut pas que j'en fasse une affaire personnelle. 4 accords Toltec. Donc faire le maximum pour les passagers, c'est très important, c'est le sens du service. Il faut être à l'aise au niveau informatique parce qu'on travaille sur des logiciels différents, mais bon, il y en a un qui ressort quand même des autres, c'est celui sur lequel on travaille le plus. On tape des lignes de code qu'il faut mémoriser pour faire une requête particulière à l'enregistrement, saisie passeport, repas spéciaux, placement, formalité, etc. Avoir une bonne gestion de stress pour pouvoir gérer les situations de crise, et Dieu sait qu'on en a, des vols annulés, retardés, des passagers à problème, et j'en passe. Donc il faut avoir un sacré bon moral, sacré bonne résistance psychologique également. Si un passager vous insulte, vous ne l'insultez pas en retour, c'est non, vous le laissez parler, vous appelez votre chef qui règle la situation, mais vous ne répondez pas par des insultes, etc. C'est une grosse source de stress. Maintenant, on va passer un petit peu à l'environnement de travail, l'embauche, etc. Donc, il n'existe pas de formation universitaire pour devenir agent d'escale commercial aéroportuaire. Pour accéder à ce métier, vous avez plusieurs options. Soit vous inscrivez directement dans les boîtes d'intérim qui vous accordent une formation en interne, ou compagnie aérienne en direct. Il y a également des formations qui sont payantes, mais je trouve que c'est un peu l'arnaque quand on peut avoir une formation gratuite via des boîtes d'intérim ou des contrats de professionnalisation, c'est un peu dur à dire. Comment on intègre, comment on obtient un job agent d'escale, et quels sont nos employeurs? Donc il y a trois employeurs, on va dire. La première, la plus courante, c'est l'intérim. Donc vous inscrivez à des boîtes d'intérim spécialisées aériennes en général, elles se retrouvent près des aéroports. Là je parle pour les grandes villes, je sais qu'en province ça va être plutôt la chambre de commerce et de l'industrie qui gère le trafic passager au sol, etc. Mais à Paris, donc que ce soit Orly ou Roissy, ce sont les boîtes d'intérim, et donc vous travaillez à la vacation. Il est extrêmement rare de travailler pour une seule compagnie aérienne, être dédié à une compagnie aérienne. On va prendre Air France, puisqu'on est en France. Il faut intégrer le CFA Air France pour prétendre éventuellement à un temps plein et CDI au sein de l'entreprise. Mais en fait, chez Air France, c'est beaucoup, 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 beaucoup de pistonnage. La cousine de l'agent d'escale ou de l'hôtesse de l'air, etc. Pourquoi c'est difficile de rentrer directement au sein même d'une compagnie aérienne? On va prendre l'aéroport le plus grand en France et l'un des plus grands en Europe, c'est Roissy. On prend l'exemple de American Airlines qui a peut-être 2 vols par jour. Est-ce que la compagnie aérienne American Airlines va embaucher une dizaine d'employés pour travailler que quelques heures par jour et peut-être pas tous les jours? Non. Ils vont faire appel à des boîtes de sous-traitance, ce qu'il y a de plus commun en fait. Les compagnies aériennes passent un contrat avec ces entreprises-là, demandant un certain nombre d'agents pour arrivée, départ, enregistrement, donc tout ce qui est trafic passager au sol. Et donc dans ce contexte-là, et c'est par là où j'ai commencé, hein, c'est grâce à l'entreprise à Roissy, où j'ai dû travailler pour plus de 20 compagnies aériennes différentes. Donc je faisais une arrivée Turkish Airlines, puis je partais sur l'enregistrement de la Scandinavian Airlines, puis je passais à l'enregistrement de la Camerco, et puis ainsi de suite. Donc c'était pas une seule compagnie aérienne dans la journée. Là-dedans, il fallait se rappeler de toutes les procédures, etc. C'est un bon exercice de mémoire. Donc voilà, vous pouvez être embauché en intérim par des boîtes de sous-traitance, ou, cas très rare, directement par une compagnie aérienne. On va maintenant passer au plus lourd de cette vidéo, ce sont les tâches d'un agent d'escale commercial aéroportuaire. Donc
Donc il y a trois tâches qu'un agent d'escale effectue lors de sa vacation: l'enregistrement, l'embarquement et les arrivées. On va commencer par l'enregistrement. En fait, l'agent d'escale est la première personne que vous allez voir quand vous allez débuter votre super voyage. C'est l'agent de comptoir, à ne pas confondre avec l'agent d'accueil qui va vous diriger vers telle zone d'enregistrement, embarquement, etc. Donc agent d'escale, agent de comptoir, c'est synonyme. Quand on est agent d'escale au comptoir d'enregistrement, donc on va enregistrer le passager. On va commencer tout d'abord par faire un rapprochement documentaire. Qu'est-ce que c'est ? Le passager arrive, je vais demander d'abord le e-ticket, donc le billet d'avion électronique délivré soit par une agence de voyage, soit directement par la compagnie aérienne en ligne, par exemple. Il va y avoir un code qu'on appelle le PNR, Passenger Name Record. Donc c'est comme l'identité du passager pour voyager, si vous voulez. On a toutes les informations que le passager nous a communiquées ou communiquées à l'agence de voyage pour pouvoir prétendre à voyager à bord de l'avion et de la compagnie aérienne. Donc on va prendre ce e-ticket, puis on va prendre son passeport, ses formalités, hein, passeport, carte de séjour, carte d'identité et visa. Parce qu'en fait, c'est l'agent d'escale, l'agent de comptoir, qui va vérifier si le passager est en règle pour prendre cet avion, voyager dans un autre pays. Effectivement, vous allez me dire, mais il y a la police pour ça. Effectivement, il y a la PAF, police aux frontières, qui gère également ce système de passeport et de visa d'entrée et de sortie du territoire. Mais nous, on doit d'abord faire ce premier tri, on va dire. Parce que légalement, si je fais partir un passager sur un vol à destination d'un pays dans lequel il n'a pas le droit de rentrer sans visa, eh bien la compagnie aérienne est un petit peu dans le caca. La compagnie aérienne prend une amende très salée et doit rapatrier le passager à ses frais, aux frais de la compagnie aérienne. Donc ça bouffe une place à bord. Rapprochement documentaire, donc on va vérifier le visa, etc. On cède informatiquement, hein, bien sûr. Je ne peux pas me rappeler que tel passeport à telle destination a besoin de tel visa, hein, j'ai qu'un tout petit cerveau. Donc heureusement qu'on a ce système informatique, mais en gros ce sont des lignes de code chiantes. Donc une fois qu'on a fait le rapprochement documentaire, que la personne qu'on a sur le passeport, que le passeport soit bien valide, en cours de validité, je crois que tous les jours il y a un passeport qui est expiré, la personne n'a pas fait attention, elle ne peut pas voyager, ça crée des drames, ça fait mal au cœur. Donc on vérifie ça, les visas, etc. Une fois qu'on sait que la personne qu'on a sur le passeport est la même personne qu'on a en face de nous, on peut s'occuper des bagages. Donc il y a deux sortes de bagages, bagages cabine et bagages en soute. Donc on a des franchises bagages. Je vais prendre comme exemple Air France en classe économie, 23 kg en soute, 12 en bagages cabine. Première chose qu'on va demander, c'est les questions de sécurité et de sûreté. Avez-vous fait votre bagage vous-même? Savez-vous ce que contient vos valises? La question, je ne sais pas combien de fois par jour je le dis, mais c'est très important de poser les questions. On demande également s'il n'y a pas d'objets tranchants, liquides, gel, aérosol, armes à feu, etc. dans le bagage cabine, du lithium en bagage en soute. On vérifie qu'il n'y ait pas d'excédent de bagage. Donc, s'il y a un excédent de bagage, soit le passager refait ses valises, soit on l'invite à payer. Voilà. Soit on récupère l'argent, mais ça c'est très rare, soit on l'envoie à un comptoir de billetterie, si vous voulez, pour qu'il règle son excédent bagage. Petite parenthèse, pourquoi on facture les excédents bagages? Parce qu'en fait, c'est du poids. Et qui dit poids dit plus de kérosène, et le kérosène coûte plus cher. Donc voilà pourquoi les excédents bagages sont payants. Pas laisser partir, c'est pas YOLO. Ça coûte beaucoup d'argent à la compagnie aérienne. Un excédent, plus un excédent, plus un excédent, et la facture est bien salée. Une fois qu'on a réglé les bagages, on va s'occuper du placement à bord, fenêtres, couloirs, à l'avant, à l'arrière, et les issues de secours. En règle générale, les issues de secours sont très prisées, c'est les places qui ont le plus de place, hein, pour les jambes, etc. Ces places sont payantes, aux alentours de 50 euros, tout dépend des compagnies aériennes. Chez Korean Air, elles étaient gratuites. Mais à savoir que si vous voulez ces places-là, il faut être en très bonne condition physique et parler la langue de l'équipage et ou anglais. Voyager sur Air France, bon, ou parler français, il n'y a pas de souci. Mais il n'y aura jamais en issue de secours des personnes âgées, des femmes enceintes, des enfants ou des personnes avec un handicap. Vous devez être apte à aider l'équipage en cas de pépin.
Également, vu qu'il n'y a pas beaucoup de places, si vous arrivez à 3 et que vous voulez tous les 3 des issues de secours, je pense pas que ça sera possible à moins d'arriver au tout début de l'enregistrement. On va également vérifier si vous aviez commandé un repas spécial, végétarien, végétalien, sans lactose, fructose, piscivore, enfin voilà, il y a une flopée de repas spéciaux, il y a une liste énorme. Il sera impossible de commander un repas spécial le jour même du départ. En fait, c'est 48 heures à l'avance parce qu'il y a des entreprises qui préparent les repas. Donc, c'est pas à la carte, c'est pas un restaurant en fait. Hein. Vous prenez un A380 avec 500 passagers à l'intérieur. Si l'entreprise s'amuse à faire des repas spéciaux en dernière minute pour tout l'aéroport, on s'en sort plus. Faites bien attention à commander vos repas bien en avance lors de votre réservation. Après, on va s'occuper des personnes à haute mobilité réduite, les PHMR. Le passager présente des difficultés pour se déplacer avec un handicap de motricité. On fera appel à un service de l'aéroport qui prendra en charge le passager, mais on doit contacter ces personnes-là par téléphone pour qu'ils viennent chercher le passager. Ou si le passager peut un petit peu marcher, il se déplace dans la zone dédiée aux personnes ayant un handicap. Donc il y a différents handicaps, hein. Il y a des personnes âgées qui marchent avec une canne, il y a des personnes qui sont en fauteuil roulant, donc un handicap à 100%. Il y a également des personnes malvoyantes, malentendantes, des personnes ayant un trouble psychologique comme l'autisme, etc. Et enfin, on s'occupera également des enfants qui voyagent seuls, les UMNR, tout ce qui est formalité, etc. Et puis, on reste H24 avec l'enfant. Mais vraiment H24. On ne le lâche pas des yeux. Il y a un agent qui sera dédié à cet enfant. Un agent d'escale peut prendre en charge jusqu'à 3 enfants maximum sur le même vol. S'il y a 5 enfants, il faudra 2 agents. Après, je passe vite fait sur les cas particuliers où il y a des chiens en cabine ou en saute, hein, PETC, AVIH, donc on gère également tout ça, on vérifie le carnet de vaccination, l'autorisation de sortie par le vétérinaire, on vérifie que le pays de destination accepte ou met peut-être les animaux en quarantaine, enfin, c'est un peu compliqué. Après, il y a aussi des personnes qui partent faire de la chasse et des safaris avec des armes à feu, donc on vérifie le nombre de munitions, les certificats avec la douane, etc. Voilà, donc je vous ai passé, mais il y a plein de choses, voilà, c'est très varié. À l'enregistrement, on peut trouver vraiment beaucoup de cas avec le passager, par bien lui indiquer sur la carte d'embarquement l'heure d'embarquement, donc on va le surligner, la porte d'embarquement, et on va lui donner la direction par où partir après l'enregistrement pour accéder à la police aux frontières, portique de sécurité pour arriver après en salle d'embarquement, et on va lui noter également son siège 27 alpha 45 bravo. Alors, petite parenthèse, je viens de m'en rendre compte, on utilise l'alphabet militaire, voilà, international, c'est-à-dire que si on parle avec un équipage ukrainien, eh bien on va utiliser l'alphabet pour désigner la rangée, le siège, etc. Alpha, Bravo, Charlie, Delta, Echo, Fox, Golf, Hotel, India, Juliette, Kilo, Lima, Mike, November, Oscar, Papa, Québec, Romeo, Sierra, Tango, Uniforme, Victor, Whisky, X-Ray, Yankee, Zulu. Voilà, comme ça vous connaîtrez l'alphabet militaire international. Donc une fois que l'enregistrement est terminé, on peut passer à l'embarquement. On arrive en salle d'embarquement en général une demi-heure avant le début de l'embarquement. On prend contact avec le chef avion, donc c'est lui qui est sur piste et qui gère un petit peu, c'est un peu le chef d'orchestre sur piste avec les bagages, repas à bord qui doivent être livrés, le ménage, le kérosène, un petit peu tout ça. Donc pour moi, je l'appelle le chef d'orchestre. Donc on doit prendre ses instructions, à savoir est-ce qu'il va y avoir du retard ou on part à H0. Si on a des cas particuliers sur le vol UM, donc les enfants ou des personnes à mobilité réduite, donc on essaie de les regrouper dans un
coin de la salle d'embarquement pour avoir vraiment un œil sur eux. Mais de toute façon, les enfants, ils sont toujours sous haute surveillance. Hein. Ils restent vraiment collés à l'agent d'escale, dédié. Si le vol part à l'heure, donc on a l'accord qu'il n'y aura pas de problème à quelques minutes près, on peut commencer l'embarquement. Alors bien sûr, l'embarquement, on aura bien vérifié le matériel informatique, les portiques, etc. Puis on aura bien évidemment sécurisé la zone, voir s'il n'y a pas d'objets qui traînent, des valises, des choses comme ça. Donc ça fait également partie de notre métier d'avoir vraiment des yeux partout au niveau sécurité et sûreté. Donc on va faire les fameuses annonces micro en français, anglais et ou la langue de la compagnie aérienne en fait. Hein. C'est-à-dire que si on prend Turkish Airlines, donc l'annonce fera en français, en turc et en anglais. Donc bien évidemment, on aura déjà embarqué les enfants et les personnes à mobilité réduite. First class, business class, famille en économie en priorité, puis par zone, parfois ça peut être zone E, zone D, ça dépend de la compagnie aérienne, du type d'embarquement qu'elle souhaite et également par rapport au type d'appareil, c'est-à-dire que par exemple sur les A320, il va falloir plutôt embarquer l'arrière et pas l'avant, etc. J'ai dit peut-être une bêtise sur l'A320. Par rapport au type d'avion également, il faut faire attention au centrage. Pendant l'embarquement, on va encore une fois et une dernière fois faire un rapprochement documentaire, parce que la personne que j'ai en face de moi est la même personne que j'ai sur le passeport et la carte d'embarquement. C'est très important. Il y a eu quelques problèmes, notamment il n'y a pas si longtemps, hein, je dirais il y a peut-être 4-5 ans, même moins, la Japan Airlines avait embarqué un passager par erreur qui ne devait pas être à bord. Donc c'est la pire chose qui puisse arriver au niveau sécurité et sûreté. Être très très vigilant. Une fois qu'on a embarqué les personnes, on va vérifier combien de personnes manquent à l'appel. Ça arrive très souvent quand même, parce qu'ils font du shopping, du tea-free, ils se sont endormis en salle d'embarquement ou ils sont en retard entre l'enregistrement et l'embarquement. Donc on va effectuer des derniers appels. Alors le premier appel va être un petit peu général, dernier appel pour le vol 464 à destination de Rio de Janeiro. Les derniers passagers sont amenés à se rendre en porte d'embarquement numéro 48 avant fermeture des portes, etc. S'il reste que très très peu de passagers ou un passager, on va faire un appel nominatif. Donc on va appeler le passager vraiment de façon très personnelle. Moi, ça m'arrive souvent de galérer avec certains noms de famille, etc. Parfois, j'ai vraiment la trouille de sortir le nom de ce passager. Donc on va le faire en français, en anglais. Et si c'est une personne, si c'est un vol étranger du Brésil, en portugais, si personne ne parle portugais, le chef d'escale va venir prendre le micro en dernier recours et parler en portugais. Peut-être que la personne ne comprend pas forcément les appels. On va aller vérifier également la salle d'embarquement, voir si la personne ne s'est pas endormie, etc. On va faire une vérification à bord, savoir si la personne finalement n'est pas à bord de l'avion, on aurait mal scanné sa carte d'embarquement, etc. Une fois qu'on a l'aval du chef d'escale et du chef avion pour fermeture du vol, on clôt informatiquement le vol et on commence à imprimer des papiers très très importants. La PNL, Passenger Name List, donc ce sont des longs papiers qu'on doit imprimer avec toute la liste des passagers, leur numéro de siège, s'ils ont des cas particuliers, UM, personnes à mobilité réduite, avec un handicap. Enfin, tout est marqué là. On doit garder, nous, une copie et en donner une à l'équipage, au crew. Ce sont des papiers qu'on doit garder au cas où la police fait une enquête sur un passager. Ça m'est déjà arrivé qu'on demande des listes comme ça, Interpol, Europol, etc. Surtout pendant les attentats, vous savez, de 2015, ces listes-là étaient réquisitionnées, on va dire. Dès qu'on a l'autorisation, on va fermer la porte de l'avion. C'est une manipulation très délicate. Il faudrait vraiment pas casser cette porte. Et chaque type d'appareil, ou du moins entre Boeing et Airbus, ils ont des systèmes différents. Donc faut se rappeler, moi, ça m'est arrivé une fois de galérer sur
un Boeing 777 en pensant que c'était l'A380 sur lequel je travaillais aussi. Il faut vraiment faire attention sur la fermeture des portes. C'est pas parce que la porte est fermée qu'on doit partir au bureau. On doit attendre les no-show, donc c'est les passagers qui ne se seraient pas présentés à l'embarquement. On devra leur expliquer qu'ils ne peuvent pas voyager, qu'ils ont raté leur vol et du coup que leur billet d'avion est annulé et n'est plus utilisable. Donc ça, c'est une forme de stress. Il faut trouver les bons mots et se mettre également à la place du passager. Donc essayer de le guider au mieux vers un comptoir de billetterie, lui dire d'appeler son agence de voyage, etc. Et on doit toujours attendre, alors ça c'est surtout sur les derniers vols de la journée, hein, de nuit, hein, les minuit, 1h du matin. On doit attendre que l'avion fasse nuage, donc ça c'est le terme technique, qu'il soit en altitude presque de croisière. S'il doit y avoir un problème technique avec l'avion, l'incident, ça se passe généralement au décollage et à l'atterrissage. Donc on doit faire bien attention que l'avion soit là-haut, voilà. Parce que s'il doit revenir en urgence, on doit être là pour pouvoir débarquer les passagers. Donc voilà, pour l'embarquement, on va arriver à la partie la plus cool du métier, ce sont les arrivées. Donc si un avion décolle, il atterrit aussi et on est en charge du bon fonctionnement de l'arrivée des passagers, quelle que soit la provenance, etc. Bien 30 minutes avant, on va préparer l'arrivée avec un système informatique. Donc on va savoir à quelle heure va arriver l'avion, s'il arrive en avance, à l'heure ou en retard. On aura également accès à cette fameuse PNL, Passenger Name List, de façon informatique, où on verra si on a des cas particuliers sur ce vol, des enfants à prendre en charge, des personnes à mobilité réduite. Il y a deux façons de gérer une arrivée, deux arrivées possibles, soit au contact, soit au large. Au contact, c'est la plus classique, c'est quand il y a une passerelle, ça c'est l'avion, et là c'est la passerelle qui est collée donc à la porte de l'avion, et donc on descend tout simplement, marche dans la passerelle. Et il y a au large, donc dans des petits aéroports, où vous êtes sur piste en fait. Vous descendez une passerelle sous type d'escalier si vous voulez, et vous êtes complètement sur la piste. Vous montez dans un bus pour arriver dans l'aérogare. Donc si on a ce type de configuration au large, il faut que j'appelle des bus, et par rapport au nombre de passagers, je dois commander 2, 3, 4 bus de 60, 80 places. Donc je dois calculer tout ça et en faire part à la société de bus de l'aéroport. Une fois que l'avion fait parking, c'est-à-dire coupe les moteurs, je dois absolument noter l'heure d'arrivée de l'aéronef, de l'avion. Et puis on procède à un débarquement en toute sécurité. Quand c'est dans la passerelle, je dirais qu'il n'y a pas vraiment de problème. Quand c'est au large, il ne faut pas que les passagers passent sous les ailes. Pourquoi ? Parce qu'en fait, dans les ailes se trouve le kérosène, le plein de kérosène. Par sécurité, on va aller mettre des plots, on va faire des gestes comme ça, on va aller protéger des ailes et on va faire attention qu'ils ne prennent pas de photos, de selfies sur la piste, c'est interdit. Et ça m'est déjà arrivé, mais alors plusieurs fois, et vous allez vous dire allô, des gens qui, après un vol, crament leur clope sur la piste, au calme, normal. Je ne sais pas ce qui se passe dans la tête de ces gens-là pour aller fumer une cigarette sous les ailes d'un avion avec du kérosène, mais ces gens-là, je les ai en horreur, franchement. À l'intérieur, je les insulte, honnêtement. Faire attention, oui, aux fumeurs, hein. Ils risquent une très, très, très forte amende. Ça m'est déjà arrivé de devoir appeler la police. Enfin, là, en l'occurrence, c'était la GTA, parce que c'était sur piste, donc gendarmerie des transports aériens. Je reprends. La police aux frontières, c'est dans l'aéroport, et tout ce qui est sur piste, etc., c'est la gendarmerie des transports aériens. Quoi faire simple quand on peut faire compliqué. Oui, donc ce passager-là qui voulait pas du tout éteindre sa cigarette, qui m'avait insulté, il a été conduit dans les bureaux de la gendarmerie et c'est bien fait pour lui. Donc tout ce qui est cas particulier, enfants voyageant seuls, personnes à mobilité réduite, donc ils sont embarqués en premier et débarqués en dernier. Bien évidemment, on doit indiquer aux passagers qui arrivent la sortie avec le
tapis bagage, le numéro, et ceux qui sont en transit, la zone transit, en expliquant qu'il y a le tableau de toutes les destinations, etc., avec les portes d'embarquement. Ça peut arriver également, et alors là, ça m'arrivait quand j'étais superviseur de vol chez Korean Air, ce sont des longs courriers, ce sont des 11 heures de vol, et donc des gens fument à bord. Complètement interdit. Il risque une amende, alors je sais plus si c'est 1 500 € ou 3 500 €, enfin c'est un truc énorme, et blacklisté de la compagnie, c'est-à-dire interdiction de voler sur la compagnie aérienne à vie. Donc quand une personne à bord fume, l'équipage nous envoie un message ACARS satellite que l'on reçoit. Donc, c'est pour communiquer entre l'avion et le sol sous forme écrit. Et quand on a un incident comme ça, moi je dois appeler la police à l'arrivée pour qu'ils prennent en charge la personne qui a commis ce délit à bord. Donc là je parle de cigarettes, mais ça peut être également malheureusement des attouchements, ça peut être des vols, ça peut être n'importe quelle infraction commise à bord. La police doit être présente dès l'arrivée. On a fini grossièrement avec les tâches d'agent d'escale commerciale. Je vous ai dégrossi parce qu'il y a énormément de choses encore à dire. Mais déjà je crois que cette vidéo est très longue. On peut passer maintenant aux anecdotes. Dans ce métier, ce superbe métier, il y a des anecdotes plutôt sympas et d'autres un petit peu moins sympas. On va commencer par les sympas. Hein. Qu'est-ce qui m'est arrivé? C'est... Je sais pas si c'est le côté uniforme, mais j'ai été draguée par toutes sortes de personnes. C'est assez étrange. J'en rigole. J'ai eu un passager, donc j'étais sur un embarquement du coup au large, donc sur piste. Ce passager, je voyais qu'il me regardait depuis la salle d'embarquement déjà depuis un moment, qu'il me faisait des clins d'œil, mais moi j'étais focalisée sur ma tâche, mon boulot. Et au moment d'être sur piste, devant tout le monde, hein, mais vraiment tous les passagers, etc., il m'a donné son numéro de téléphone, en courant en plus. C'était super gênant. Il s'appelait Guillaume. Je vous raconte ça, c'était il y a 5-6 ans, je crois. Il partait pour le Canada. Il revenait dans 3 mois, il me demandait de l'attendre, qu'il fallait absolument qu'on se voit, etc. J'étais rouge comme une tomate. Et après, forcément, tous mes collègues m'ont charrié. Hein. Même le chef d'escale de cette compagnie aérienne était mort de rire. J'ai eu également une femme qui était tombée sous mon charme. Ça aussi, c'était perturbant. C'est, voilà, avec également un numéro de téléphone glissé dans le creux de ma main lors du rapprochement de documentaire en embarquement. Après, on côtoie également des célébrités, des stars. Alors, j'en ai beaucoup plus côtoyé quand j'étais responsable chez Korean Air, parce que c'est moi qui les accueillais. Voilà, tout ce qui est VIP, ce sont pas forcément les agents d'escale comme ça, c'est plutôt un petit peu les responsables, représentants de la compagnie, etc. Donc, sur des vols, j'ai déjà eu François Hollande, Anne Hidalgo, Laura Flessel, Patrick Bruel, Naomi Campbell, Isabelle Huppert, une horreur, voilà, très star, hein, oui, elle me claquait des doigts, c'était pas un bon souvenir. J'ai l'équipe de France de football, ouais, beaucoup de stars aussi de la K-pop, je crois BTS, moi j'écoute pas trop la K-pop, dites-moi en commentaire si vous écoutez de la K-pop, mais pas mal de stars, ouais, c'était un peu l'euphorie. Dans l'avion, apparemment, quand ils prenaient Korean Air. Moi, je ne les connaissais pas, donc j'étais pas dans cette euphorie. On peut avoir des célébrités, hein, parce que ils prennent l'avion aussi. Hein. Il y a pas mal de passagers qui aiment bien également prendre des selfies avec vous, parce qu'ils sont tellement excités d'être en vacances, en voyage, que hop, petit selfie. Moi, ça me fait rigoler. J'ai eu des enregistrements what the fuck, à 8h du matin sur un vol du poisson pas frais, des aliments sur mon tapis bagage où j'avais des remontées terribles. Voilà, y a des vols où les gens aiment bien ramener certains types de nourriture un peu exotique. J'ai eu des pneus. Voilà, quelqu'un est arrivé à l'enregistrement avec des pneus de voiture pas emballés, rien du tout. Hop, sur le tapis bagage. N'importe quoi. J'ai eu un quad aussi, un mini quad. La personne s'est dit, je peux faire passer ce quad en bagage soute. Normal. Je savais même plus quoi dire. C'est n'importe quoi. J'ai eu une équipe de rugby ou supporters de rugby irlandais complètement bourrés un dimanche après-midi qui avait pris mon micro d'annonce pour chanter des chansons irlandaises alors que j'avais un petit peu le dos tourné. Tout ça pour aller chercher du papier d'imprimante à ma collègue qui était juste à côté en fait. J'étais
Bordéré, à la fois, je me dis, je vais me prendre un blâme. Mais bon, non, j'ai rien eu du tout. Autre anecdote, le plus longtemps où je suis restée en vacation, mais là, c'est parce que j'étais responsable compagnie, je suis restée 51 heures non-stop à l'aéroport suite à des intempéries, neige, etc. C'était Noël 2017. Voilà, j'étais pas rentrée chez moi pendant 51 heures. J'ai jamais été aussi fatiguée de ma vie, mais à la fois, j'avais l'adrénaline et il fallait absolument trouver les hôtels, trouver un nouvel avion, trouver des solutions, etc. Donc on bossait en équipe, je dormais un petit peu sur mon clavier d'ordinateur sur mon bureau. Ça arrive, voilà. Mais ça arrive très peu quand on est agent d'escale, mais quand on est qu'on a un petit peu plus de responsabilité, oui, il faut être présent. J'ai longtemps hésité à faire cette partie-là d'anecdotes moins rigolotes. Genre, j'ai les mains moites. Il y a des choses très sympas, il y a des choses un petit peu moins sympas. Donc ce sont des choses qui me sont arrivées à moi, personnellement. Et j'espère que ça n'arrivera pas à d'autres agents d'escale. Mais ça fait partie du métier. Alors, je vais raconter peut-être deux choses. La première, c'était lors d'un enregistrement. C'était tôt le matin. Et donc j'enregistre une passagère qui a une valise. Donc je fais tout le tralala. Elle met sur le tapis bagage le bagage en soute. Je fais mes petits trucs et tout ça. Et je vois que la valise bouge un petit peu. Du coin de l'œil, je regarde la valise et je vois qu'en fait la passagère commence à me raconter sa vie, elle veut me détourner l'attention. Donc je renvoie le bagage et je demande à la personne d'ouvrir le bagage. Je n'ai pas du tout la possibilité d'ouvrir le bagage, pas le droit du tout. Du coup, elle n'a pas voulu, j'ai dû appeler la police aux frontières qui lui a demandé d'ouvrir son bagage, etc. Ça fait tout un foin. Et en fait, quand elle a ouvert le bagage, il y avait un enfant de 4 ou 5 ans, il était tout petit, caché dans la valise. J'ai demandé à mon chef d'arrêter la vacation et de repartir au bureau parce que j'étais pas très bien. En fait, le sort de ce petit garçon, si j'avais pas fait attention, ben il serait mort parce que dans les soutes, il fait moins, je sais pas combien en fait, à part quand il y a des animaux, dans les soutes où elles sont chauffées longtemps à l'avance. Voilà, donc ça c'était pour moi tragique. J'ai sauvé cet enfant, plus ou moins je vais dire, mais j'en reste encore un peu émue. Et puis on va finir par quelque chose de dramatique, tragique, horrible, qui n'arrive jamais, très peu, enfin c'est absolument très rare dans la carrière d'un agent d'escale, mais j'ai embarqué un vol qui n'est jamais arrivé à destination. Dans le jargon, on dit que l'avion s'est abîmé en mer, puisque c'était en mer en l'occurrence. Tout simplement, il s'est crashé. Donc il y avait 66 personnes à bord. C'était en mai 2016. 66 personnes incluant l'équipage, il me semble. Donc j'ai embarqué ce vol. Ce vol n'est jamais arrivé au Caire. On a été pris en charge par des psychologues, etc. On a été suspendu de nos fonctions pour enquête, parce que c'était après les attentats, etc. On se dit, mais si j'avais pas embarqué, enfin, s'il y avait eu quelque chose, et avec des si, on aurait refait le monde, ces personnes ne sont plus là. Avoir une culpabilité... Oui, je vais pas cacher que je ressens toujours, et peut-être que je ressentirai toujours, cette culpabilité d'avoir embarqué ces personnes-là, parce qu'elles seraient toujours vivantes sans ça. C'est très dur pour moi d'en parler. Ça restera toujours très dur. Ça arrive. C'est très rare, les crashs aériens. Quand ça arrive, c'est très violent. Mais c'est pas pour autant que vous devez arrêter de prendre l'avion, en fait. C'était il y a quelques années maintenant. Ça me hante toujours. Parfois, j'y pense pas. Et parfois, je me retourne dans le lit et j'y repense. Mais il faut aller de l'avant, voilà. Et j'oublie pas tous ces passagers-là, en tout cas. Bon, ici, on passait à la conclusion. Donc pour finir cette très très longue vidéo, je vous dirai sur mon métier qui a absolument zéro routine et c'est ça que j'aime. J'ai déjà travaillé derrière un bureau comme agent de voyage puisque c'est mon autre casquette, mais ça me plaît pas. Voilà, je préfère crapahuter de zone en zone, voir du monde, voilà, et gérer des situations diverses et variées. Personnellement, j'ai toujours ce sentiment du devoir accompli. Le passager, il est content, il est à bord, il a tout ce qu'il faut. Oui, le devoir accompli, c'est ce qui m'anime et je rentre chez moi, je suis contente d'avoir fait ce que j'ai fait. Pourquoi je fais ce métier? C'est parce que ce que je trouve beau en fait dans ce métier, c'est que chaque passager, chaque personne a sa propre histoire pour voyager. Moi qui ai travaillé sur des gros porteurs, des A380, donc c'est du 500 passagers, et bien sur ces 500 passagers, il y a 500 histoires différentes. Ça peut être première vacances, après avoir économisé toute une vie,
Ça peut être des lunes de miel, ça peut être des stages, des déménagements, des vacances en famille, aller voir des amis, ses grands-parents. Parfois, c'est aussi pour des décès, c'est un peu plus compliqué, mais ça fait partie du voyage en fait, hein. Les petites histoires des passagers, puis ils aiment bien nous raconter pourquoi ils voyagent, etc. Donc je trouve ça très sympa, ça me plaît beaucoup. Il faut toujours se dire que chaque passager est unique. Jamais prendre les gens de haut, c'est très important. Et ça, dans la vie en fait. Horaire décalé, donc attention à votre vie de famille, votre vie sociale. C'est vrai que quand j'ai commencé ce métier, au bout d'un moment, mon téléphone n'a plus sonné en fait pour les boire un verre, soit entre amis, etc. Ça fait un peu mal. À force d'avoir dit non parce que bah, je travaillais, les week-ends, eh ben, ils vous appellent plus. Et après, c'est difficile d'aller faire une soirée entre amis un mardi soir. Voilà. Donc il y a ce petit côté-là, mais si les infirmières, les médecins, les policiers le font, pourquoi pas nous, hein. Il faut faire preuve d'énormément de sang-froid, savoir gérer les crises et son stress. Moi, je me suis déjà fait étrangler par le foulard pour un excédent de bagage. Toujours faire attention à la communication, parce qu'en général, quand il y a un problème, c'est un problème de communication. Reformulez votre phrase d'une autre façon pour que la personne comprenne mieux le message, ce que vous voulez dire, sur un passeport expiré, sur un problème de visa, etc. Et je vais finir par un préjugé où il n'y a pas davantage de billets d'avion en tant qu'agent d'escale. On fait voyager les gens, mais nous, on ne voyage pas. Ou si on voyage, c'est à nos frais, 100% carte bleue, quoi. Ce qu'on appelle des GP, gratuité partielle. Vous en avez si vous travaillez au sein même d'une compagnie aérienne, chez Air France, Korean Air, American Airlines, etc. Et encore, c'est pas obligatoire, quoi. Si vous devenez agent d'escale, vous attendez pas, oh super, je vais avoir des réductions sur les billets d'avion, pas du tout. Donc voilà, cette très longue vidéo explicative sur mon métier est terminée. J'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez apprécié ce format, en connaître davantage sur ce métier et sur moi. Je serais très curieuse de savoir ce que vous faites dans la vie. Si vous avez des questions supplémentaires, bah, je vous attends en commentaire et je me ferai un vrai plaisir de vous répondre. Cette vidéo est maintenant terminée, je vous remercie de l'avoir regardée jusqu'au bout, c'est super cool. J'espère que le contenu vous a plu et si c'est le cas, n'hésitez pas à liker cette vidéo et à vous abonner à ma chaîne parce que ça me ferait très plaisir, ça m'aiderait énormément et en plus, vous savez quoi? C'est gratuit. Je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo et sur ce, prenez grand soin de vous.